بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد Aujourd'hui, nous pouvons prendre un principe bien important qui tout le temps nous vient rappeler dans la vie. Nous ne devons pas oublier ça jamais. Rappelle bien tout namaz qui nous fait, pas seulement, pas namaz non, tout action qui nous fait, qui m'en dit, tout action qui nous fait, tout bon travail qui nous fait dans nos vies, tout peine même l'importance. Certaines les plus importants, certaines les moins importants. Alors, demande quelque chose d'unia même, demande quelque chose mondaine même, nous connaît très bien qui nous besoin faire demande quelque chose qui est plus important avant. Oui ou non? Par exemple, demain, moi, j'ai l'examen. Aujourd'hui, qui m'a besoin faire? M'a besoin réviser. Ça, c'est le plus important. Prépare pour ça l'examen là. Et non plus, comment dire, je commence, prépare quelque chose qui m'a pour faire un mois après. Vous comprenez? Nous devons faire quelque chose qui est plus important avant. Alors, comme ça même, dans Dine, une action qui nous fait, une ibadette qui nous fait, tout n'est pas au même niveau. Nous avons certaines ibadettes qui nous fait, ça ban ibadat la li fard en arabe pour dire li fard et en ourdou ça nous dit farz qui fait nous dire farz en ourdou qui fait en arabe li fard parce que fard comment écrire fa ra da alors en arabe pour dire li da en ourdou nous dit li za oui ou non alors zaruri par exemple écrit avec ça da là mais en ourdou dit li za. C'est ça la différence. Alors, fard, farz, nous comprenons. Et dans certaines manibadettes qui nous fait aller, farz. Et dans certaines manibadettes nous fait aller, wajib. Et dans certaines manibadettes qui nous fait aller, sunnat. Maintenant, de sunnat même, et dans certaines les sunnat muakkada, et dans qui sunnat ghair muakkada. Là, finalement, nous avons ce qui nous appelle mustahab, nafil. Nafl, en arabe, j'ai dit nafl. En ourdou, il n'y a pas l'habitude, j'ai dit nafl, j'ai dit mustahab. Il est important pour comprendre ça, ça va être un terme-là, et ben, l'ibadette qui nous fait chacun pour nous comprendre lequel niveau il y était. Parce qu'ils ont dit, les dommages qui parfois nous donnent priorité à quelque chose qui est mustahab, et en faisant cela, donne priorité à quelque chose qui est mustahab, nous peut rater quelque chose qui est fard, nous peut rater quelque chose qui est wajib. Est-ce qu'il est bon là? Non, il n'est pas bon là. Nous peut rater quelque chose qui est sunnat muakkada, il n'est pas bon là. Right? Alors, fard, ça n'a là obligé de faire. Obligé de faire ça. Ça, nous pas gagné le droit pas faire li, sans aucune raison valable d'après Shariat. Qui est quelque chose qui est fard là, non? Qui est quelque chose qui est obligatoire pour nous? 5 fois namaz, rosa ramadan, d'une zakat, siena, nisab, faire hajj, siena le moyen. Ça, c'est une ibadette qui est farce. Maintenant, ça va une ibadette là. Est-ce qu'il nous pouvons pas faire li sans en prendre? Comment faire li bien? Comment faire li pour li valable? Nous capable faire dit namaz mon capable faire comment mon gagner mon capable commence mon namaz pour faire sajda pour faire salam dernier l'air mon faire takbir et tahrima mon capable faire ça mon pas capable faire ça il y a une façon de faire namaz mais rappelle bien ce qui est fard pour accomplir pour faire ibadat qui fard qui est obligatoire pour faire pour en prendre comment faire li ça aussi lui obligatoire tu comprends ça aussi lui obligatoire. Il est obligatoire l'ONU pour apprendre comment faire namaz. Rosa. Rosa peine beaucoup, masahil, mais seulement, at least, moi, bien connaître qu'il y a mon arrêt de manger, qu'il y a mon droit de manger, qu'un fini arrive l'iftar, qui de choses gain droit faire. Right? Tout ça là, nous devons apprendre. Zakat, hajj, hajj, il y a beaucoup, masahil. Ça va être masahil qui nous devons connaître afin que nous capables de faire sa ibadat là bien pour les valables.
les fards pour nous apprendre. À cause de ce hadith, il mentionné, cherche la connaissance, il est obligatoire pour chaque musulman. Mais c'est en prendre. Right. Quand on finit de comprendre ça, là, une petite chose qui nous, sunni, nous bien comprendre ça bien, pas mal comprendre moi. Notre sharif, nous lire, nous pas lire. Nous lire. Nous écouter, nous pas écouter. Nous écouter. Alhamdulillah, tout le long de la vie, nous pouvons lire notre sharif et nous pourrons le sa principe là, Inch'Allah. Mais seulement, en prendre lire notre sharif, qu'il y était. Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est wajib? Non, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Oui, on peut en prendre, on peut lire, on peut savoir, blola. On peut dire, il est mustahab. Mais il n'est pas obligatoire. En prendre lire notre sharif, il n'est pas obligatoire. Zodi, parfois, nous donne priorité à notre sharif, qu'on lit notre sharif, qui nous donne nous pas pense concernant le Coran sharif. Lire le Coran sharif avec tajwid, autant d'une façon comme ça, qui nous pas fait manière grave, qui sans signification, ça lit fort de chaque musulman. Oui ou non? C'est l'imam qui se tajwid, il dit bon? Non. Dans Fatawa Rizviya, à la Hazret, Fatawa Rizviya, là, il y a moi là, à la Hazret, il dit clairement, autant de tajwid, qui lire le Coran correctement ou pas change meaning de ban mot, right? Ou pas faire ban erreur grave, autant de tajwid là, il farce le chaque musulman. Alors, si un sunni, il y en a deux options, par exemple. S'il est capable de faire les deux ensemble, très bien, mais par exemple, un sunni, un enfant sunni, il peut aller à l'école, etc., ou bien un adulte même, d'abord, il faut apprendre le Coran. Et après le Coran, ça va une connaissance qui est obligatoire là, ça nous faut apprendre plus. Ça nous faut donner priorité. Comment faire un namaz, qui est le masail, l'important, qui est le wajib d'un namaz, qui, quand nous faut faire sajda ça, etc., etc. Ça, les forces, là, non. Nous faut apprendre ça avant. Et là, nous, comment dire, nous pratiquons notre, etc. Alors, nous donnons priorité à ce qui force avant. Après, là, deuxième niveau, nous gagnons wajib. Wajib aussi nous dit qu'il est obligatoire. Il y a une différence entre fard et wajib. Cette différence-là, il y a une différence, si je peux expliquer ou pas vous comprendre. Il est basé sur le dalil, ça. Right? Le dalil, le qui preuve, il est basé. Fard, il est prouvé par le dalil qat'i. Tandis que wajib ne prouvait pas de l'île d'Anni. Papa ne comprend rien. Alors, Inch'Allah, quand on peut faire aussi le faire, là, on peut comprendre quand on arrive dans sa lase-là. Right. Très bien. Alors, nous donne, c'est pour terminer, moi, là, ensemble avec moi, Fatawa Rizviya. À l'Azra. Fatawa Rizviya, c'est volume 10, page 336. Il raconte une petite histoire là. Qui Sayyiduna Farouk et Azam, radiallahu ta'ala an. L'Ichpiabichi trouve un jeune, Hazrat Sulaiman, radiallahu ta'ala an. L'Ichpiabichi trouve lui, sa jeune, Sahabila, qui peut venir masjid le matin, qui peut faire namaz fajr. Faire namaz fajr en jama'at. Un jour, Hazrat Umar, radiallahu ta'ala an, lui pan trouve sa jeune na vin masjid pour namaz fajr. Alors, Hazrat Umar radiallahu anhu demande avec sa jeune Sahabila, son maman. De ben, il qui n'arrive garçon, Zodji pan trouve li dans Fajar so Jamaat. Là, son maman a dit, garçon là, son maman a dit, connaît au Umar, au Amirul Mu'minin, mon garçon, hier soir, toute longue la nuit, il fait ibadat nafil. Il fait namaz nafil, ibadat nafil. Qu'il est moustahab, il est bon fait li. Oui ou non? Mais c'est moi qui est arrivé. Toute longue la nuit, il fait ibadat nafil. Et quand il arrive, grand matin, il a sommeil. Et il n'est pas capable de faire namaz fajr avec jama'at. Il n'est pas dire qu'il rate namaz là, non. Right? Il fait namaz là, mais pas en jama'at. Parce qu'il a sommeil, il ne devait pas tard. Alors, là, la Hazrat Umar, radiyallahu ta'ala, vous connaissez qui répond, qui te dit, qui vous connaissez, fait un namaz fajr avec jama'at. Ça, c'est meilleur qui fait toute longue la nuit ibadat nafil.
fait namaz fajr avec jamaat, c'est le meilleur, qui fait toute longue la nuit ce ibadat nafil. Alors ça, un principe tout le temps, nous disons que bien quelque chose qui est mustahab, nous fait aller, oui, mais aussi longtemps qu'il nous peut accomplir ce qui est fard, ce qui est wajib, ce qui est sunnat muakkada. Right? Nous finissons faire ça, l'Allah nous accomplir ce qui est mustahab. Et non pas, nous dépensons, nous l'étant autant dans mustahab que ce qui est obligatoire, l'aime, nous ne pouvons pas faire. Par exemple, un dimon, il y en a beaucoup d'argent. Il y en a beaucoup d'argent. Et ça dit mon nom, il dépense. Il dépense beaucoup d'argent pour faire du monde manger, l'autre. Mais seulement, dans un jour de Qurbani, il n'est pas faire Qurbani. Qurbani, wajib l'oli. Mais lui, il n'est pas faire Qurbani. Il peut dépenser de l'autre façon. Est-ce qu'il est bon là, ce qu'il peut faire? Non. Qu'est-ce qu'il peut faire d'abord? Il peut bien faire ce Qurbani. Même affaire pour Zakat. Un jimoun, tous les jours, il peut donner Rosadar Iftari. Tous les jours, il peut donner Iftari. Un bon qui tient ça? Oui, dans l'imam, il y a un bon qui tient ça, c'est Moustahab. Ou bien Thawab, nous tient pas un hadith. Non, ou bien Thawab, pareil, comment ça, Rosadar là? Tous les jours, il donne Iftari. Mais seulement, tous les jours, il peut donner Iftari, Zakat force, il ne peut pas donner Zakat. Il est bon là? Non, il n'est pas bon là. Alors, ne pas donner priorité à Ibadat qui est Moustahab, le Fard. Ce qui Allah finira ni obligatoire, sans nous bien faire aller, sans nous pas bien rater jamais. Wajib aussi, sunnat muakkada aussi, autant que possible, sunnat muakkada, nous essayons de pratiquer. Allah Ta'ala donne tawfiq, là dans mon ramadan, nous pouvons pratiquer, faire ibadat, qui ça, les rester après mon ramadan, et nous la vie finit dans ibadat. Il nous crée nous-mêmes pour faire ibadat. Comment il était dans le Coran, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Allah dit, je vais créer un djinn et un insan excepté pour se faire mon ibadat. Je veux dire, nous finissons créés pour faire Allah son ibadat. Quelqu'un pose une question, qui fait un finvin dans sa dunya là? Ou réponse, c'est mon finvin dans sa dunya là pour faire ibadat. Mais là, on pose une même question, je vais faire ibadat aujourd'hui, ce qui est obligatoire à mon faire, ce qui est wajib mon faire, ce qui est important pour mon faire ce qui mon faire, ou bien mon papa faire. Allah donne ton fils. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته